C'est Zamzam. On va apprendre sur cette vidéo comment alterner la basse et l'accord. Et je te propose, sans trop de blabla, de s'atteler directement à notre leçon. L'idée donc, c'est de frapper sur un temps la basse et sur le deuxième ou troisième temps, enfin ça dépend le rythme que tu veux faire, de frapper la totalité de l'accord. Par exemple, sur un mi mineur, la basse qui est la base de l'accord est un mi et le mi se trouve sur la première corde en accord ou en frettage ouvert. Donc si je veux faire ce rythme-là sur un mi mineur, je vais frapper d'abord la première corde toute seule et sur le temps 3, donc je vais faire 1, 2, 3, je vais frapper tout l'accord avec ma main droite. C'est-à-dire que si je fais ça doucement, je fais 1, 2, 3, 4, basse, 2, accord, 1, basse, 2, accord, basse. Ok, t'as compris le concept? Donc, basse sur le 1, accord sur le 3. Si je veux faire un accord de La mineur, la base de l'accord de La mineur, c'est le La qui se trouve sur la deuxième corde sans fretter nulle part. C'est un La. Donc, si je veux faire le La mineur, je vais devoir, avec ma main droite, frapper la corde de La, donc la deuxième corde grave, et ensuite faire tout l'accord. Toujours sans toucher la première corde. Ça veut dire que si je fais la même chose sur l'accord de La mineur, je vais faire 1, 2, 3, 4, basse, accord, basse, accord. Je le refais une fois sur les temps 1 et 3. Donc 1, 2, 3, 4, basse, 2, accord, 4, basse, 2, accord, 4, basse, 2, accord, 4. Et si on varie les plaisirs, c'est-à-dire qu'on change à chaque mesure, on va le faire vraiment tout doucement pour que tu aies le temps de le faire avec moi. Je vais faire 1, 2, 3, 4, mi, 2, accord de mi, 4, la, 2, accord de la, 4, mi, 2, je me suis un peu emballé, excuse-moi. Tu l'as bien compris, donc on frappe d'abord une seule corde, la corde basse de l'accord, et ensuite on frappe tout l'accord avec la main droite. On va un petit peu peaufiner ça dans les prochaines vidéos. On se voit bientôt. Allez, bye bye. Tu trouveras tout plein d'autres infos sur mon site zamzamguitare.blogspot.ch et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!